Je voudrais quand même vous dire, parce qu'il y a beaucoup de mimes, mes camarades, parce que j'en ai fait beaucoup, et puis c'est des gens qui ont un talent fou, c'est vrai, et puis je les adore. Ce sont des gens qui n'hésitent pas à s'oublier pour être un autre, etc. Bon. Ce que je voudrais vous dire, c'est que quelquefois, on dit qu'un artiste sait tout faire. On dit, il sait tout faire. J'ai entendu ça, moi, il sait tout faire. Un mime sait tout faire. Mais un mime ne peut pas tout faire. Un jour, je devais mimer quelqu'un qui n'a rien à faire. Eh bien, j'ai rien pu faire. Parce que ne rien faire, ça peut se dire, mais ça ne peut pas se faire. Et de plus, je ne pouvais pas le dire que je ne pouvais pas le faire, parce que le personnage qui n'avait rien à faire en plus n'avait rien à dire. Et le directeur m'avait bien spécifié, il m'avait dit, surtout, pensez bien à ce que vous avez à faire, c'est-à-dire, en fait, pensez à rien. Et il avait ajouté, surtout, ne le dites pas. Et je lui avais donné ma parole de mime que je ne dirais rien. Alors, je suis entré sur scène, comme ça, et j'ai commencé à ne rien faire. Sans rien dire. Ça a l'air de rien. Mais il faut le faire. Il ne suffit pas de le dire. Et paradoxalement, plus je ne faisais rien, plus les gens disaient « Qu'est-ce qu'il fait ?» Parce que le public n'est pas fou. Ils voyaient bien que je faisais quelque chose, mais comme c'était rien, ils se demandaient ce que j'étais venu faire. Et les critiques dans la salle voyaient bien que je ne faisais rien et que je le faisais bien. Mais ils s'attendaient à plus. Et moi qui déjà ne faisais rien, je ne pouvais pas faire moins. Les gens dans la salle, qui ne voyaient rien, ils ont commencé à trouver à redire. Et on pourrait au moins faire un geste, avoir un bon mouvement. Alors ce que voyant, moi j'ai fait le seul geste que pouvait se permettre quelqu'un qui n'a rien à faire, sans qu'on dise il en fait trop, j'ai fait un geste d'impuissance. J'ai fait... Alors les gens dans la salle, qu'est-ce qu'il dit ? Alors là, j'ai rompu le silence, j'ai dit, mesdames et messieurs, mais je n'ai rien dit. Qu'est-ce que j'avais dit là ? Le directeur, rideau ! Non seulement je paye un mime à ne rien faire et il ne le fait pas, mais en plus, il ne tient pas sa parole, il parle. Il m'a dit, monsieur, vous n'êtes même pas bon à rien. Alors, le lendemain dans la presse, quand on dit les critiques, ben, comme j'avais rien fait, ils n'ont rien dit, mais en bien.